matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de ce mercredi 24 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, la petite philosophie du matin, regret. De manière générale, les choses que l'on regrette le plus sûrement sont celles que l'on n'a pas faites. Voilà cette petite philosophie du matin et ça vous donne une idée de ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, j'ai pigé le 9 d'eau. On est dans la suite d'eau qui est liée aux émotions et à l'intuition. Elle est liée au monde des émotions, cette suite. Et dans le tarot traditionnel, c'est la suite des coupes. Et l'eau représente les aspects les plus profonds de l'existence. Par exemple, tomber amoureux, avoir des enfants ou se faire de nouveaux amis avec qui l'intimité est instantanée, par exemple. Alors les lames représentent également la famille, le foyer et les souvenirs d'enfance. Elles peuvent aussi indiquer des fiançailles ou un mariage et plus généralement les périodes où l'on déploie les efforts nécessaires pour avoir une vie de famille épanouie. Le 9 d'eau, c'est cette carte. Elle est représentée avec l'archange Ouriel. Ouriel est l'archange des épiphanies et des idées brillantes. Alors, si vous avez besoin de nouvelles perspectives étonnantes, ce bel archange Ouriel vous lancera toutes sortes d'idées fantastiques. Il est également l'archange de la guérison émotionnelle et de la transformation. Par exemple, si vous avez un chagrin d'amour ou si vous vivez une problématique émotionnelle. Tout cela est lié car les épiphanies peuvent vous aider à guérir le passé, donc à transformer votre vie comme vous le souhaitez. Alors, cette lame, le 9 d'eau, voilà ce que vous attendiez, la lame des souhaits qui se réalise. Peut-être certains d'entre vous attendiez cela et vos prières, elles ont été entendues. Et cette magie, elle commence à opérer. Autorisez-vous à ressentir une joie profonde, car vous l'avez bien mérité. Vous avez été très patient et vous êtes toujours resté dans cette droiture, dans cette ligne droite que vous vous étiez fixée. Laissez votre petit cœur s'emplir d'un émerveillement enfantin. Utilisez cette belle loi de l'attraction en visualisant votre souhait réalisé et en l'envoyant à l'univers. Ne vous concentrez pas sur les moyens de concrétiser vos rêves, c'est l'affaire du divin. Concentrez-vous de croire en leur réalisation prochaine. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vos vœux vont être exaucés. Vous devez vous amusez, vous libérez et libérez cet enfant intérieur. C'est une carte qui parlera à certains, qui ne parlera pas à d'autres. Et pour ceux à qui ça va parler, c'est la fin des soucis. Il va avoir une abondance et une prospérité. Il va avoir de la bonne fortune. Demandez à cet archange, Ouriel, de vous aider à finaliser, parce que vous le méritez tant. Vous avez été d'une patience exemplaire, que ce soit
dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental, dans le milieu personnel, dans le milieu familial. Vous avez été très patient et là maintenant, c'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Cette carte sagesse, eh bien, elle vient vous dire que de bien suivre la loi de l'attraction et que vos rêves commencent à devenir réalité. Et ce bel archange Uriel, n'est-ce pas, il apporte l'épiphanie et la transformation par le biais du soleil qui illumine votre avenir. Parce que cette carte, eh bien, elle est gouvernée par la carte dans le tarot de Marseille, par le soleil. Vos souhaits vont se réaliser et vos rêves deviennent réalité. Vous êtes dans cette belle énergie de récolter ce que vous avez semé. Et ce rêve que vous avez fait, eh bien, il devient réalité. Vivez vos rêves, ne rêvez pas votre vie. C'est ce qui se passe. Vous allez vivre vos rêves. Du moins, cette chose que vous espériez tant, et vous allez vraiment la réaliser parce que vous avez été extraordinaire et vous avez été d'une droiture incroyable. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Allez, je termine avec l'affirmation positive. J'ai de la gratitude pour tous les petits plaisirs de la vie. Eh bien voilà, j'ai de la gratitude pour tous les petits plaisirs de la vie. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.